monde aujourd'hui. Nous sommes samedi 25 novembre. Il fait beau. On a dormi sur l'aire de repos du centre d'information de Géorgie. Et là, on va faire un petit tour à l'intérieur parce que Mathieu m'a dit qu'il y avait plein de petites choses bien sympas dedans. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Oui, c'est à Savannah qu'il y a le banc de Forrest Gump. Ici, on a un trolley. Ils ont mis des chaînes avec la mousse espagnole partout. On a un phare. Une tortue. T'as vu la vieille voiture là-bas? Voilà le petit tour. Allez, ce midi c'est IHOP. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes dimanche 26 novembre, on est enfin en centre-ville de Savannah. Donc hier en fait on est parti manger au IHOP et c'est censé être une chaîne où on mange assez rapidement, sauf qu'on est tombé sur le pire des IHOP je pense, puisqu'on est arrivé, il a fallu qu'on s'inscrive pour être appelé. On a attendu bien un quart d'heure avant d'être mis à la table. Et ensuite, on a eu une serveuse très gentille, hein, mais bon, lente au possible. Du coup, elle a commandé nos boissons, elle est revenue, on a réattendu 10 minutes. Elle a pris notre commande. Et je pense qu'on a attendu 20 bonnes minutes avant d'être servi, Lily. Oui, oui. Ouais. En plus, elle s'est plantée dans la commande, donc elle est repartie. Enfin bon, on est resté au minimum 1h30. Et en sortant, on est parti faire 3 courses chez Publix. Le problème, c'est que la nuit tombe à 5h15, 5h30. Il était déjà 4h15. On a dit ça sert à rien d'aller en ville pour si peu. Donc on est allé se faire notre lessive et puis on n'a rien fait de la journée quoi. Donc voilà, ce matin on s'est levé tôt, on a dormi sur le parking de Cracker Barrel où il y a eu du bruit toute la nuit parce que c'était vraiment collé à l'autoroute là. Et du coup là ça y est, on est enfin arrivé. On va aller chez Starbucks se chercher notre petit café. Et on va promener un petit peu dans les rues. Bon, il commence à pleuvoir, il ne prévoit pas un super temps aujourd'hui, malheureusement. Et je sais pas, soit on dort là ce soir, soit si on part dans l'après-midi, on rejoindra Sainte-Augustine. On verra. Voilà, selon le temps. Bon, on est chez Starbucks, on vient de commander nos petits cafés au nom de Logan. Et donc il y a pris une chocolatine et Logan il se prend toujours un croissant jambon fromage et là il s'est pris sa première boisson. C'est quoi Mathieu, tu m'as dit cookie saveur cookie au lait d'amande? Non, au lait de soja. T'as goûté, c'est bon? Ouais, voilà. Et moi j'avais pas mon scone, je suis colère. Et Lily se moque. Allez, on est parti pour faire le musée de la Prohibition.
T'es souhait. Cette scène représentée, c'est à New York, à Brooklyn. Et c'est les enfants du quartier qui se précipitent pour ramasser du whisky et du vin dans une gouttière après que les agents de la prohibition aient détruit les barils avec des haches et vidé les contenus dans les rues. C'est des pochetrons. Elle s'est retrouvée toute seule avec sa fille et du coup elle a lutté pour que l'alcool soit interdit. Donc elle rentrait dans des saloons et elle les détruisait à coups de hache. Et en fait elle n'était pas arrêtée parce que c'était des saloons illégaux. Donc elle était juste arrêtée pour vandalisme. Elle passait une nuit ou deux en prison et elle payait son amende et puis elle passait au saloon d'après. Sur la période Al Capone. Mmh.
de ce côté, on voit un peu mieux qu'ils ont été tués. Ah ben là, on voit pas, je vais filmer au téléphone. Ça, c'est pour apprendre à danser comme dans les années 20. What do you want? Who sent you? Tell him Gus. Gus sent you. Yeah, yeah. All right. Come on. Hurry up. Get in there before somebody sees you. Vas-y. On est rentré dans le speakeasy. C'est rigolo. Des caisses de gnolles. C'est des caisses de gnolles. Class. Religion against religion. Race against race. America stands alone as the only developed industrial nation to fully ban the sale and consumption. Ici aux États-Unis, ils font des monopolies pour tout et rien en fait. Tout est bon pour faire un monopoly. Manger un café à City Market et ma foi c'était bon, la margarita était bonne. Donc juste avant on était ici à American Prohibition Museum et donc c'est en face hein. Et le musée était vraiment bien aussi hein. Qu'est-ce que t'as pensé toi du musée Loulou? Moi ouais. Et toi Lily? Moi ouais, c'était bien, ça allait. C'était bien. On a fait mieux. C'était great. Non, c'était très très bien. Le feu. On a appris plein de choses. Et c'était bien. Et maintenant, ben, il pleut, donc il pleut, il fait froid. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Il pèle. Il pèle, oui, ça. Il n'y a personne, mais bon, ça se comprend. Okay, guys.
Ici, c'est le parc où il y avait le banc de Forrest Gump. Mais il n'est plus là. Il était ici, il y avait la statue après, derrière. Et l'autre idiot là qui m'attend. Bon voilà, on est parti du centre-ville. On a filmé un petit peu le parc où le banc de Forrest Gump était. Et en fait, il est plus. Ils l'ont enlevé du Chippewa Park Square. Parce que en fait c'est un banc qui était fait en fibre de verre, donc ils l'ont mis au Savannah History Museum pour le préserver et surtout pour éviter qu'il se fasse voler par des personnes mal intentionnées. Donc voilà, on n'y est pas allé parce qu'il était 4h moins le quart, le musée fermé à 4h, donc déjà on n'aurait pas pu rentrer. Et en plus, c'est un musée payant, donc à part le banc de Forrest Gump, rien ne nous intéressait dans le musée, on n'avait pas prévu de le faire. Donc on ne l'aurait quand même pas fait. Du coup, on est parti du centre-ville, on s'est dirigé vers la plage, vers l'est. On est sur Tibi Island, je crois. C'est ça, sur Tibi Island, on a trouvé un camping qui est pas très loin de la plage. Donc bon là, il est déjà 5h15, donc on ne va absolument rien faire. En plus, il pleut, ça s'arrête absolument plat, pas. Et puis bon, la nuit commence à tomber. Donc là, on va juste aller prendre nos douches, faire à manger, et puis rester tranquille. Et je pense qu'on ira sur la plage demain matin. On se fera ça toute la matinée, aller visiter un petit peu ce qu'il y a et puis on partira en début d'après-midi vers Sainte-Augustine. Donc voilà, la petite aventure Savannah est terminée. Bon, on n'aura pas vu grand-chose, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, bref. Et puis je vous dis à demain. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out.